Ah ouais putain c'est bon ça. Eh quand t'es énervé, tu prends une batte, tu casses tout. Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 19h, j'espère que vous allez tous très bien. Qu'est-ce que tu racontes toi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah je peux t'embaucher aussi. Viens Sam Smith. Quoi c'est Sam Smith? Attends quoi? On est en sous-nombre. Ah non c'est Jim Smith. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et hop. Ça y est. Ça y est, je suis excité les amis. Troisième épisode de notre aventure sur Far Cry 3. Far Cry 5, pardon. Avec OK Boomer. Eh regardez comme il est mignon. Oh là là, trop content de vous retrouver. Eh trop content parce que... Alors, je tourne un petit peu les épisodes à l'avance au début parce que... Ah, il est fou lui. Je tourne les épisodes à l'avance parce que il faut anticiper. Bah déjà je fais des épisodes qui sont longs. Donc je peux pas... voilà, si je veux vous promettre de sortir un épisode tous les jours, il faut que je prenne de l'avance. Au vu de la qualité, la 2K et tout, les traitements c'est assez compliqué, les rendus et tout. mais ils sont tous excités ici ou quoi? Du coup voilà, et ça m'a permis aussi de voir que j'ai déjà des problèmes de droits d'auteur sur le premier et le deuxième épisode. C'est pas possible, on se fout de ma gueule. Bref, mais vous inquiétez pas, je trouvais des solutions. Allez, c'est parti, n'oubliez pas le like, on va aller voir... C'est important. On va aller voir madame qu'on a libérée, je sais plus comment elle s'appelle. Merci de m'avoir tiré de là. Je m'appelle Jess. Bah voilà, merci si Jess. Contre la secte, tu connais déjà sûrement mon oncle Dutch. Écoute, j'ai pas de temps à perdre. Alors je vais aller droit au but. J'étais sur la trace d'un des tarés de Jacob. Il se fait appeler le boucher. Ouais, c'est déjà un peu flippant comme ça. Mais crois-moi, il est encore pire. Je le tenais presque, mais une patrouille de cinglés m'est tombée dessus. Faut que tu m'aides. On doit pas laisser la piste refroidir. Si tu cherches à rallier les Whitetails, ça pourrait être ton ticket d'entrée. Et cerise sur le gâteau, t'enverrais un gros sac à merde 6 pieds sous terre. Faut y aller. On a déjà perdu assez de temps. Suis-moi. Eh mais je vais te suivre ma sœur, y a pas de problème. Voilà. La vengeance au menu. Ok, et ben on y va, Tess. Jess, pardon, qui est donc la nièce du neveu de l'oncle de Dutch. Allez, bonsoir. Je sais pas qu'est-ce que je raconte, je sais plus. Bref, son oncle c'est Dutch quoi. J'ai toujours eu du mal avec les arbres analogiques moi. Tu vois, c'est sa signature. Des innocents brûlés vifs. Les arbres généalogiques, pardon. Ah, je suis excité. Bon, allez, je vous l'avoue, il est 6h du matin. Voilà, je vous l'ai pas dit dans le premier épisode ni le deuxième. Mais il est 6h du matin. Putain de secte enlève tout le monde. Que tu sois chez toi, au bar ou à l'église, il t'embarque. Ensuite, il te range dans deux catégories. Faible ou fort. En fait, Jacob crée sa propre armée. Et ceux qui peuvent pas ou veulent pas se battre pour lui, il les fait buter. Il appelle ça « tuer les faibles ». Ça consiste à massacrer des innocents. Personne n'y croyait parce que personne n'avait envie d'y croire. Eh ouais. Mais c'est rigolo quoi que ça prenne une si grande tournure. Je veux dire, c'est une secte, le truc, tu vois. C'est pas non plus un gouvernement. Et pourtant, c'est eux qui dirigent... C'est voilà, c'est une secte qui dirige quand même ben, ces trois régions de des États-Unis quoi, j'ai envie de dire. C'est quand même dingue. C'est quand même fou d'en arriver là quoi. Enfin, du coup, ça existe déjà, mais... Je trouve ça fou quoi. Qu'est-ce qui t'arrive, Jess? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah! Mais il faut me prévenir que je puisse servir à quelque chose. Ok. Attendez, regardez bien ce qui va se passer. Regardez bien, messieurs, dames. Ça va faire des chocs à pic. Ta gueule. Voilà. Bon, ça dégage. Ensuite, je crois qu'on est arrivé. Ouais. Ouais, calme-toi avec les mauvaises lumières quand même. Y'a que moi qui ai le droit de parler comme ça. Après, YouTube il est pas content. Qu'est-ce qui se passe ici? Attendez, y'a un truc à. Y'a un truc là. Qu'est-ce qui t'arrive, bichette là? Ah, voilà un panneau qui nous dit les animaux qu'il y a là. Et y'a des. Y'a des ours? Ok, c'est une zone d'ours, incroyable. Ok, allez, on y va, on va rejoindre. À 30 mètres, c'est en train de crier comme des zinzins. Rejoignez le point en hauteur. Ok. Attends, t'es déjà là, Jess? Mais tu vas super vite, avant tu prenais 30 ans à marcher. Alors, il faut libérer les otages. Oh, ça me rappelle le dernier Far Cry, trop yimbe. Trop bien. Il faut libérer les 3 otages. Attendez. Bah oui, mais... Les otages sont morts.
Oui. Mais j'ai pas de sniper moi. Ok, bon, j'ai vu les trois otages, ils sont chacun dans leur cage. C'est déjà pas mal, ils ont chacun leur loyer. Dis-toi que, bon, bah, il y en a à Paris, malheureusement, ils ont plusieurs, ils sont plusieurs dans une seule cage. Hein. Pardon. Allez. Eh bien, salut à toutes et à tous. Je suis désolé, je suis pas lucide. Le fils prodigue, le père peut encore vous parler. Qu'est-ce que tu as, toi? Hop, on va passer par en dessous. Oh, déjà là, si je passe par là, à mon avis, je pense que on va être plutôt pas mal. Par contre, le yinche, il va se faire cramer, là, en vrai, non? Mais si c'est le chien qui attaque les officiers. Enfin les officiers, c'est pas des officiers, du coup c'est juste des mecs si c'est lui qui attaque, ils vont pas tuer les otages en théorie. Alors ce que tu vas faire, mon copain, Tu vas attaquer lui là. Voilà. Il y a plus rien à faire. Fais gaffe, ces fanatiques sont complètement tarés. Voilà. Ils font disparaître tout le monde. Alors, prise va nous pourrir la tournée. Les trains de prépare va nous bouger. Je vais vous chercher sur moi. Ouvrez-moi. Les trains vont venir. Alors, c'est grâce au sac. Voilà. Voilà. Oh. Toi, tu fais rien, toi. Hé. Dieu te trouvera. Ouais, ouais. Oh merde. Ça faisait pas partie du plan, ça. Attendez, j'avais tout bien fait jusqu'ici. Voilà. Eh ben, c'était plutôt pas mauvais. En vrai de vrai, félicitations. Vous venez de terminer votre premier défi. C'était plutôt pas mal en vrai. J'ai libéré tous les otages. Civil sauvé 2. Tu te fous de ma gueule? Je les ai pas tous sauvés là. C'est aberrant ça quand même. Boomer, il a fait 4 éliminations. Quoi? Incroyable. Ok. Par contre, ça m'étonne que j'ai pas sauvé tout le monde, hein. Et du coup ça me débloque 3 points de talent que je vais pouvoir évidemment acheter des choses. Donc soit poisson humain, ce qui va me permettre de nager et de retenir mon souffle plus longtemps. Soit pour le moment parachute, ça me débloque un parachute, ok, très important. Le grappin et un sac d'équipement de corps à corps. Vous pouvez porter plus de munitions de pistolet et armes de corps à corps. Alors évidemment le jeu voudrait que j'achète le parachute et puis le grappin pour des raisons évidentes. Il me reste un point de compétence, est-ce qu'on l'utilise pour ça ou est-ce qu'on l'utilise pour le poisson humain? Évidemment. Bon là le jeu il veut vraiment qu'on achète ça, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment obligatoire dès le début. Voilà. Ah mais non mais Boomer. Oh non bichette. Tout va bien se passer. Oh couillou couillou. Attends je te... D'accord, je voulais te caresser, c'est pas grave. Voilà, alors attendez parce que là les otages moi ça me dérange un petit peu. Donc il y en a un là. Voilà, toi tu es libéré. Et de 1. Et de 2. Voilà, et de 1 et de 2. Bah il est là le troisième. Bah c'est bon. On est en sous-nombre et les tarés arrivent pas à faire de merci. Bah j'ai libéré tout le monde, pourquoi? Mais il est complètement con le jeu. Attendez, pourquoi il me dit défi? Pourquoi il me dit que j'ai pas sauvé civil sauvé 5. Ah bah voilà, mais c'est parce que je les avais pas encore libérés. Trop fort. Ah oui, d'accord, c'était pas la mission. Je me disais bien que Boomer il en avait pas attaqué genre 4. Bah oui, là il en avait attaqué que 2. Et ben voilà. Ah c'est bon ça. Et attends par contre frérot. Oh. On est en sous-nombre et les tarés arrêtent pas de se renforcer. Il faudra un miracle. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais une crise d'épilepsie photosensible? On y va? On y va. Allez les gars, qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici? J'adore ce qui se passe. J'adore ce qui se passe, mettez-vous dans l'ambiance. Je ne sais pas moi, plongez-vous dans le noir. Prenez à manger, un petit truc à grignoter. Enfin, attention tout de même, hein, mangerbouger.fr. Et puis un truc à boire, ça fait toujours kiffer. Allez Tess, on avance. Jess, pardon. T'allais plus vite avant quand même, hein. Enfin je dis ça, je dis rien. Bon. Je vais avoir un échec de mission parce qu'il va me dire que je vais trop vite, hein. C'est pas grave. Sympa ton Klebs. Qu'est-ce qui pue? Minute. Tu parles meilleur Boomer toi? Qui t'a entendu? Bah oui, c'est des coups de feu. Alors ça sort d'un pistolet ça. Et ça se passe ici. Oh, fais moins de bruit toi. Alors, dis-moi tout ma belle. Oula, 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 oula. Ok. Ok, y'a un sniper, ça commence mal. Oh non, encore des otages. Ah, j'ai grave la pression, alors 1, 2, ramasse ta queue. Ouais, le sniper il me fait chier. Hein. Oh non.
Oh, j'ai eu chaud au kiki. Eh, hey, Boomer, tu vas me le fumer, lui, hein. Boomer, il faut que t'attaques le sniper. Sinon, c'est terminé. Bon, d'accord, j'ai compris. Attendez. Regardez bien ce qui va se passer, parce que ça va être du spectacle que vous ne verrez... Enfin, que vous verrez souvent, en fait, hein. Je peux toujours pas l'attaquer. Alors, toujours pas... Toujours pas, ok, on est beaucoup trop loin. Bah regardez bien ce qui va se passer, ça va être magnifique. Je vais tenter un truc, j'ai pas le choix. Soit je prends la tyrolienne et je fais un truc épique, mais ça risque de partir en couille. Soit... Bah de toute façon la tyrolienne elle est là pour que je le fasse, hein. À la one again. Wouhou. Incroyable. Alors ça c'est dingue. Je pensais quand même que ça partirait en couille. Je supporte pas derrière. Qui va nous sauver maintenant? C'est pas possible. Quoi, merde? Il va plus tarder, attention. Quoi encore? Non, vous allez pas tuer les otages. Toi t'es mort. Oh, y'en a un là. Oh merde. Oh non. Oh non, il va tuer les otages. Non. Mais Tess, fais quelque chose. Non. Oui. C'est bon. En avant Guingamp. Attends, j'en ai sauvé combien? Bah toi t'es bon. Pas l'air d'ici. J'ai entendu la nouvelle pour ton ami Pratt. Oui. Ils sont tous morts. Ensuite, il leur a demandé s'ils avaient faim. Oh non. Bien sûr, comme ils étaient affamés, ils ont répondu oui. Ils ont subi. Bon, j'ai l'impression que j'ai un peu foiré, hein. C'est bien dommage. Tu sais que tu parles toute seule là, ma ref? C'est gênant, hein. Il est sorti voir les parents. Il leur a enlevé leurs chaussures. Ah zut. En chantonnant pour leur couper les orteils. Ah. C'est vrai que c'est un petit peu gênant. Le sang a giclé comme un geyser. Oui, oui, bah il est 7h du matin là. Me parle pas de ça, frérot. Voilà, lui. Le boucher avait un grand sourire aux lèvres. Tu la fermes ou je t'assomme? Chacun des orteils au gamin. Ça sert à rien ce que tu dis! Arrête! Ah là. Bon! Madame, monsieur, bonsoir. Encore une tyrolienne. Oh, c'est beau quand même, hein. L'Amérique. L'Amérique. Ok, on part carrément dans le Grand Canyon. C'est le mec qui comprend, hein. Oh, c'est joli là. C'est vraiment chouette. On va vraiment prendre la tyrolienne. Ce qui serait complètement débile en soi, hein, Jess, hein, parce qu'on aurait juste pu aller en face, mais c'est pas grave. Si on prend la tyrolienne, franchement, je te fais la gueule. Ah, grappin. Ça tombe bien, j'ai acheté un grappin. Mais on en avait pas besoin, très bien. Ah d'accord. Mais rapidement, il restait plus d'orteils. C'est une blague? Alors il a ri et il a foutu le feu aux parents. L'air s'est rempli d'une odeur dégueulasse de chair brûlée. J'oublierai jamais cette odeur. Enfin ça, on a compris que ça t'a traumatisé. Je peux le comprendre parfaitement, ma sœur, mais faut pas me parler de ça. Arrêtez de hurler. J'ai regardé partout et il avait disparu. C'était évaporé. Ah oui, n'écoute pas ces histoires, viens. Voilà. Enfin, bref. C'est pour ça qu'on l'appelle le boucher. Ça marche, bah le boucher, on va lui emboucher un coin, t'inquiète. T'inquiète. Oh, regardez la cascade. Magnifique. Alors, objectif de cet épisode, c'est de pas mourir comme un débile, hein. Ça peut être pas mal. Pour le coup, rejoignez le point en hauteur avec Jess. Attends, Jess vient de se téléporter. Tout à fait. D'accord, donc Jess se téléporte. C'est excellent ça quand même. Bon. Tu m'as cassé la tête à être lente pour au final tu te téléportes. Quand même une escroc toi. Elle est où Jess? On va reconnaître le terrain. Elle est pas là Jess. Mais on se fout de moi. Ah mais non mais elle s'est pas téléportée. Bon. Les oh merde. Les faibles sont impurs et ne valent rien. Le fiel consume leur âme. D'accord. Là y a pas d'otage. Là, y'a pas d'otage, y'a juste à fumer le gars, y'a pas de problème. Brûlez! Brûlez à la lumière de notre père! Enfin, j'entends quand même des cris, hein. Sacrifiez les faibles! Hop, on va passer par là. Purifiez leur âme par la flamme vertueuse du Seigneur! On va essayer de faire ça de manière rigolote, après si. Après, s'il faut. S'il faut qu'on emploie la manière forte, y'a pas de problème, je suis rodé, hein.
Alors attendez, parce qu'il faudrait que j'arrive à monter, mais là il va me faire chier lui. Allez, je veux pas que Boomer il meure moi. Bon, au pire, de toute façon. Allez, Boomer! Hop! Vas-y, fais diversion. Hop! Pardon, ça m'a fait rire. Oh, c'est quoi cette arme de merde? Attends, j'ai une arme de merde! Voilà. Vas-y, Boomer! Ok. Lance-roquette! Voilà. Ah bah, c'était plutôt pas mal, hein. Sacrifice the weak. Ça veut dire sacrifier votre fatigue. Oh, c'est un peu le discours de Macron, quoi. Et ah, ça va, je rigole. Le boucher est mort et je ressens rien. Mon seul objectif, c'était de trouver ce type et maintenant, je sais pas ce que je dois faire. Dutch avait raison sur plein de trucs, en fait. La secte, Ellie. Il a peut-être raison aussi à ton sujet. Toi, si t'as besoin de quelqu'un pour te couvrir, appelle-moi. Et... merci. Pour tout ce que t'as fait. Bah, avec plaisir, ma sœur. Bon, bah... D'accord. On a tué le boucher. Ah, ça y est, elle a pris la confiance. On a tué le boucher pour se venger du fait qu'elle a coupé les orteils de ses parents. Alors, ça peut se comprendre parfaitement, bien sûr. Ma nièce, c'est pas le genre à se faire des copains, mais si t'as besoin de quelqu'un qui fait les choses vite et discrètement, elle est parfaite. Tu la surveilles pour moi, tu veux bien? Elle en a pas mal bavé. Ouais, bah, elle m'a expliqué, t'inquiète, mon grand. Alors, liste du boucher. Ces fichus pêcheurs nous font couler. Jacob qui dit qu'il faut plus de gens dans notre église, mais pas ces raclures de bidet. Tout ce qu'ils méritent, c'est de sortir la chaleur purifiante. Oh non, du coup, attends, ils ont été brûlés, là? Qu'est-ce que tu fous dans la cage, toi? Mais t'es complètement débile. Ok, ah oui, ils ont brûlé les... Oh là là, c'est horrible. Oh, oh my fucking god. Ah, c'est pas cool, hein. Ah, c'est pas cool, hein, ce qui se passe. Bon, ça y est, on commence enfin le vrai open world. Parce que c'est vrai que je trouve ce début d'aventure, ça parle beaucoup pour vraiment bien nous expliquer, pour faire vraiment tuto, quoi. Ce que je peux parfaitement comprendre, mais c'est vrai que dans d'autres Far Cry, ça parle quand même un petit peu moins. Du coup, on se retrouve. Donc, on est dans la région de Jacob. On est ici. On a Clutch Nixon là-haut. Très bien. On a. On a Herc là-haut qu'on peut aller voir. Sachant qu'on avait commencé l'aventure à la ferme à citrouille. Donc bon, on s'est un petit peu éparpillé dans tous les sens, il faut le dire. Et c'est ça qui est bon, quoi. C'est ça qui est bon. Mais c'est rigolo parce que... C'est pas genre, il n'y a pas je ne sais combien de missions qui s'affichent. Enfin, je sais pas comment dire. C'est différent des autres Far Cry et c'est pas pour me déplaire. On va aller voir Herc, en vrai. En vrai de vrai, on va aller voir Herc ici déjà. Très bien. En plus, on a un véhicule à disposition, le soleil se couche, c'est plutôt pas mal. On va essayer de s'entraîner à rouler aussi. Je ne sais pas rouler, il faut le dire. On va aller voir Herc. Par la suite, on commencera sérieusement à s'intéresser aux armes. Salut. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien avoir plusieurs armes sur moi, mais bon. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est un petit peu impossible. Et puis c'est que le début, quoi. La bonne musique, là, bien américaine. Vous savez que pas plus tard que hier j'ai écouté de la country en faisant mon garage. Je suis en train de ranger mon garage. Oh non. Oh putain. Oh, j'ai trop le seum. Comment je m'accroche à la vie? Comment je m'accroche à la vie? Eh, au secours. Ah bah d'accord. Mais je pense que ça sert à rien de s'accrocher à la vie. Personne va venir me réanimer là. Bon. Ouais, d'accord. Bon, du coup, bah, mon objectif de pas mourir bêtement, bah, pour cet épisode, il est aussi foiré, hein. Je pense que dans chaque épisode, je vais mourir bêtement, hein. C'est assez formidable. C'est ça qu'on aime, c'est ça qui est bon. Mais regardez, au moins, on profite d'un magnifique wallpaper incroyable. Ah, jusqu'ici. C'était joli, hein. C'était joli, hein. Bon, la voiture, du coup, vous l'aurez compris, c'est une très, très, très mauvaise idée. On va, du coup, essayer le parachute. Au final, on va essayer le parachute. Ça me semble être également une mauvaise idée. Mais il faut essayer.
Mais c'est vrai que moi là j'aimerais trop avoir un sniper ou en tout cas une arme silencieuse, quelque chose comme ça. Même si j'avoue la spécificité de ce Far Cry, et c'est le côté fun, c'est qu'on peut utiliser voilà des battes de fer, des tuyaux, etc. Voilà. Vraiment on va essayer de d'exploiter un maximum toutes ces phases de combat, toutes ces possibilités de combat. Parce qu'elles sont quand même assez, assez grandes et plus poussées que sur d'autres jeux. Qu'est-ce qu'il y a ici là? Attends, faut faire quoi là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nixon, le plus grand cascadeur de la Terre, conduisit un véhicule tout-terrain dans des bois aussi indestructibles que lui. Oui. Quand prenez-vous, foncez sur votre quad et traversez les foutus points de contrôle. Ah, let's go! Let's go! Une mission de type funny funny. On est prêt? 3, 2, 1, let's go! Ah, c'est trop bien! Ah, c'est en mode États-Unis quoi. C'est pareil que sur Far Cry 4, mais. Il va devoir bien tirer le guidon sur ses tremplins en bois. Allez, accrochez-vous, les amis. Je vous offre du spectacle. Clutch Nixon. Mais attends, mais c'est pas un vrai gars justement qui faisait ça? Ok. Pas trop mal ça, pas trop mal. C'est bon ça. Franchissez à toute vitesse les points de contrôle. Wouh, il y a un cerf, un élan. Oh non. J'ai perdu mon élan. T'as capté. Ah je sais, c'est normal, vous regardez une vidéo d'Emcolo. Donc... Il passe juste à côté de la Syrie en se méfiant bien des angles. D'ailleurs c'est la seule fois où on a le droit d'aller en Syrie. Quoi? Je les enchaîne, je suis horrible. Je suis détestable, voilà, je suis désolé. Allez, c'est parti. Alors il dit plus rien le commentateur. Il me laisse dans ma merde après ma blague douteuse. Ah bah ça fait plaisir. Oh non, garde le contrôle. Magnifique. Clutch. Ouais. Ah, j'espère que je vais pas avoir de problème encore de droit d'auteur. Salut les l'élan. Oh non. Bah oui, bah enfin t'es débile toi. Bon ok, j'avais envie de lui rentrer dedans. Soyons honnêtes. Ah bah c'est chouette. Allez, la ligne d'arrivée, on y arrive. Ou pas. Oh non. Salut. Bon bah c'est long hein. C'est très très long. Et c'est ça qui est bon. Oh non. Oh non. Oh c'est pas vrai. Je me suis mis dans la sauce. Ok go. Là. Oh là oh là oh là. Tu me fais faire quoi là? Wouh. Ok. La ligne d'arrivée, c'est bon. Magnifique. This is America. Wouhou. Fuck. Excellent. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Et bien voilà. Ah, et puis en plus, on revient au même endroit, d'accord. Bah, c'est pas mal. L'élan viril. Ah, excellent. Du coup, l'élan viril, c'est moi? Ah, c'est un jeu de mots. J'adore les jeux de mots. Hop, on va récupérer cette matraque. Enfin, cette matraque. Se battre. Ils sont toujours après moi, je le sais. J'ai pu m'enfuir quand ils avaient le dos tourné. Ah bah, j'espère que tu vas bien. Qui se prétend soldat. Il massacre nos frères et nos sœurs et met notre projet en danger. Je veux que ce lâche comprenne qu'il a toute mon attention. Mes chasseurs viennent te chercher. Tu n'as nulle part où te cacher. Oh là! On vient de recevoir une menace. Des chasseurs. Ah, c'est inquiétant. Si Jacob veut te mettre la main dessus, il va t'envoyer ses meilleurs hommes. Fais gaffe à toi, officier. Ah, ça dégage. Voilà.
Ouais, moi je suis vénère. Oh yeah. Bon, je me suis pris une menace d'un coup là quand même, hein. C'est comme sur Far Cry 4, on a très souvent Pagan qui nous appelle pour nous donner des menaces. Bah là je crois que c'est la première menace qu'on reçoit réellement en radio. Le parachute il est pas facile à déployer mine de rien. Je l'ai essayé, j'ai failli me foirer, vous l'avez vu avant. Mais là on va essayer de nouveau. Ok. J'espère juste que je peux passer entre les arbres sans trop problème. Très bien. Alors on peut pas se déplacer comme je pensais avec le parachute, c'est-à-dire qu'on peut pas aller très très loin. Ce qui est relativement bien fait. Là on a un truc à regarder. Nouvelle cascade. Ah bah voilà, c'est des cascades comme ce qu'on a fait juste avant, hein. Très bien. Bon, on va plus vite à pied qu'en parachute, hein. Plongeons. Oh non, il y a des crocodiles. Non. Pour moi il y a des crocodiles, j'ai vu des bulles avant. Non. Bah non, bah c'est bon, tout va bien. Allez go. Petite centaine de mètres. On se balade, il fait bon vivre, il fait nuit, c'est sympa. Et puis ce qui est bien, comme dit, voilà, c'est ça. C'est que tant qu'on a oh là. Ah mais il me cherche. Je bouge. Ok. Mais c'est qui me cherche? D'accord. Quoi? Ce monde est faible. Ramolli. Nous avons oublié comment être forts. Nous avions des dieux pour héros. Aujourd'hui, ce sont des impies. Faibles. Veuls. Débiles. Nous laissons les fragiles diriger les puissants et nous sommes surpris de l'état de ce monde. Mais l'histoire connaît la valeur du sacrifice. Tuer les plus faibles pour garder la force. C'est ainsi pour tout. L'intérêt du groupe prévaut sur celui de la personne. C'est la loi de la nature. Mais nous l'oublions. Et maintenant, nous devons en payer le prix. Maintenant, l'effondrement est proche. Et cette fois, l'intérêt de certains prévaut sur le groupe. Et lorsqu'une nation n'ayant connu ni la faim ni le désespoir sombrera dans la folie, nous serons prêts. Nous allons abattre les faibles. Nous ferons ce que nous devons faire. Tuer la dernière cible avant la fin du temps imparti, quoi ? Connais ton rôle. What ? Ok, il faut que j'élimine tout le monde là. Oh, c'est horrible. On a Shangri-La ou quoi? Oh, ok. Bon, vous l'aurez compris, c'est comme sur... Ah ouais, ça me fait penser à un mode de jeu sur Call of d'ailleurs. Vous avez compris ce que je dois faire. Ah bah, elle est faible. Ah ouais, non mais c'est quoi ce bordel? Bon, ça va, c'est imaginatif normalement. Attends, attends. Voilà. Ok, tuer, tuer, tuer. Ok. On est à Shangri-La, mon pote. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Comment ça va, les copains?
Je ne fais que ça. Ah. Là-haut. D'accord, très bien. Hop, ça dégage. Alors toi. Parfait. Parfait, très bien. Par ici. Un petit toboggan. Ouvre les fenêtres. Oui, chef. Et coupez cette putain de musique. Oh merde, c'est Sully. Quand est-ce qu'ils l'ont eu? Pourquoi on s'emmerde à faire tout ça et vérifie quand même. Oh, pourquoi je me tape toujours les cadavres? Putain de merde! Quoi? Merde! Il est vivant. Walker, le camion. Oui, chef. Oh, c'est pas vrai, je suis désolé. Allez, viens m'aider, petit. Ellie, est-ce que c'est... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il peut bien foutre ici, bordel? Il a bien plu à Jacob comme à nous. Tout ira bien maintenant, la star. On s'occupe de vous. On l'emmène avec nous au Wolfsden? Bien sûr. Tammy risque de pas apprécier. T'en fais pas pour Tammy, elle s'en remettra. Quel plaisir, on s'est fait secourir du coup. Il se passe tellement de choses là, j'en perds mes mots. C'est du Red Bull, parfait. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Du calme, avec Witty on s'est mis d'accord. Vous étiez d'accord? Wow, hey, moi tout ce que j'ai fait c'est donner mon avis. C'est complètement stupide. Et c'est dangereux, bordel. Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que tu le laisses là-bas. Tammy. On n'a aucune idée du temps qu'il a passé là-bas. J'ai vu comment ça rend les gens. Pas toi. Tu sais pas, il est peut-être dangereux. C'est ce que tout le monde racontait sur toi. Mais heureusement, j'ai pas écouté. C'est pas la peine de discuter, il est là. Et on a besoin de lui. C'est compris. Bien vu, elle l'a très bien pris. Dehors. J'ai rien fait du tout. Je plaisantais pas. On a besoin de vous. Reposez-vous un peu. Alors ce mec, c'est vraiment la définition de Jésus. Et ça fait plaisir. Ah ça fait plaisir. Salut mec. Eh, c'est notre débardeur américain, c'est bon ça? Ok. Bon alors. Ah oui, c'est vraiment des américains ici, c'est bon ça. Salut l'ami. Salut mon ref. Eh, j'ai bien fait d'avoir pris ce débardeur là, au moins les gens ils me kiffent. Alors on a une bande arcade. Bon j'imagine qu'on peut Mais non c'est une blague. Éditeur arcade, on peut genre vraiment créer des mondes et tout. Y'a vraiment du multijoueur? Non tu rigoles. Ah ouais, un jeu dans un jeu quoi. Vous allez quitter la campagne. Ah oui non. Pas le temps pour vos conneries là. Bon qu'est-ce qui se passe? Oui, à la base, ce que je voulais dire, c'est que avant que je me fasse enlever, et du coup, bah, c'est marrant parce qu'il n'est plus là, Boomer. Boomer, je sais pas où il est, mais il a détecté un ennemi là-bas. Est-ce que je peux ouvrir la carte d'ailleurs? What? Ah ouais, non mais d'accord. Moi, j'étais là-bas, hein, les gars. Hein. À la base, je voulais aller voir Urk. Au final, je suis pas allé voir Urk. Je me suis fait enlever. Enfin, du coup, je suis de nouveau libéré. Mais enfin, t'as compris. Oh, magasin d'hélico, c'est bon ça. Ouais je disais à partir du moment où il y a Boomer avec nous, l'avantage c'est qu'il nous détecte les ennemis autour. C'était juste ça que je voulais dire tout à l'heure. Et puis au final bah je me suis fait enlever donc Boomer m'a un petit peu défendu mais pas tant que ça. Il m'a prévenu quoi. Oh des hamburgers. Allez voir Ellie, il a besoin de vous. Ok faut que j'aille voir Ellie, y'a pas de problème. Je vous évite pas. Mais Ellie voudrait vous parler. Ah bah jusqu'au bout j'ai compris. Ellie il est là-bas. Ellie il est au lit. voilà Ellie Goulding d'ailleurs, bonsoir. Je casse tout tant que vous me dites pas, qu'est-ce que je fais là? Ok, je peux sortir ici. Oh, une boutique. Incroyable. Ah bah voilà, mais ça tombe bien, moi qui voulais... Alors, on peut acheter bien sûr des munitions. Regardons un petit peu les armes. Alors, les armes, je veux bien.
Le problème étant que j'aimerais d'abord avoir de la place dans mon inventaire. Parce que ça sert à rien d'acheter des armes. Bon là c'est pour se customiser. Vendre butin, déjà on va vendre. Vente rapide. Tous les objets seront vendus en même temps. Ouais mais non, je vais pas vendre ça moi. Je vais pas vendre la carte. C'est complètement con. Par contre je peux vendre ça. Ouais. Je peux vendre ça. Comment je fais? La cougar, voilà. Ok. Bon, c'est pas clair. Tu deviens une vraie légende dans les White Tails. Tu ouais. Le sais, ça? Ouais, c'est sympa. T'as quelque chose à me dire? Hésite, arrive, mon ref. Si j'ai bien compris, Jacob a une sorte de bunker caché dans les montagnes. Chaque membre de la famille Sid en a un. Tout ça à cause de ces conneries d'effondrement. Donc il y a 3 bunkers sur la map, merci. C'est... J'adore comment le jeu nous indique... Waouh, vous êtes réveillé. Ellie a 2-3 trucs à vous dire. Bah je sais, je viens de faire le tour là, comme un couillon, je comprends pas. Ok, bah écoutez, on va tout regarder. Bon, les toilettes, les sanitaires, c'est pas vraiment très kiffant. Hein. Va falloir faire un effort sur les sanitaires, monsieur. Hein. Oh, maman. Oh ça va? C'est quoi votre problème là? J'ai pas fait exprès, j'ai eu une pulsion. Vous savez, on m'a drogué. J'ai pas fait exprès. Ah! Ça fait longtemps qu'on vous cherche. Dutch dit le plus grand bien de vous. Bon, je vais vous parler franchement. J'ai reconnaître un bon soldat. On se fait laminer ici, faut être lucide. Je sais pas si on pourra tenir plus d'une semaine à ce rythme. On se retrouve vraiment au pied du mur. Je fais en sorte qu'on se reprenne. Alors j'ai envoyé un groupe de Whitetail saboter le centre touristique. La secte l'utilise comme dépôt pour sa putain de grâce. Mais les pauvres gars ont foncé droit dans un piège. Ils se sont fait prendre en otage. Et le temps joue contre nous. Si j'envoie un autre groupe là-bas, on risque de tout perdre. Mais vous, la secte s'attend pas à vous voir débouler. Vous êtes la seule personne ici qui soit capable de gérer cette situation. J'ai confiance en vous sur ce coup. Je compte sur vous. Oh, oh attention. Non mais ça m'énerve là. Je compte vous voir debout. Ah, attends mais c'est marrant, on peut les attaquer moi, ça me fume. Comme tu l'as vu, il s'est passé des choses plutôt moches par ici. Faut pas sortir des d'accord. Ce serait con. Les Whitetails, ils naissent libres. Nous ferons tout pour survivre. Très bien. Ah, c'est les Whitetails qui nous parlaient Clutch là au début là. Notch, je sais plus comment il s'appelle. Bon, il veut m'envoyer au front quoi, j'ai compris. Ah. Je peux pas sortir par là, c'est gênant. Faut que je sorte par l'échelle, j'imagine. Voilà. Comme je vous disais, vous allez devoir être une ombre. Ah, c'est parce que je t'ai tapé, pardon. Elle serait capable de tuer nos gars. Il y a un arc sur la table si ça vous tente. Essayez de ramener nos camarades. Bonne chance. D'accord. Non, au début je pensais qu'il m'envoyait vraiment au casse-dalle parce que... Parce qu'il s'en fout de moi. Mais en vrai il veut vraiment que je libère ses copains. Donc c'est qu'il me fait confiance. Bon mais je vais peut-être prendre l'arc hein, s'il m'incite. Vous savoir à nos côtés, officier. Oui. S'il m'incite à prendre l'arc, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Je vous ai peut-être paru un peu trop dur. Je m'excuse pas. Je reconnais mes erreurs. T'inquiète, t'as pas vu ma teub. C'est juste que je fais pas confiance aux inconnus. Mais d'après Ellie, vous êtes réglo. Alors je vais me contenter de ça pour le moment. Faites vos preuves. Et vous et moi, on apprendra à s'entendre. Voilà le topo. Witty essaie de monter une station radio pirate. Il a dit à Ellie que c'était pour aider à coordonner la milice. Mais je pense plutôt que c'est pour diffuser sa musique. Donc on va lui filer un coup de main. Le problème, c'est qu'il a pas de signal. D'après notre expert, la secte brouille les ondes dans toute la zone. Et on sait comment. D'accord. Apparemment, des brouilleurs... Bon, mon camarade m'a dit que la secte brouillait le signal de la radio pirate de Witty. D'accord. Il faut éliminer 2 tours et 1 unité mobile. D'accord. Mais je vais pas le faire. J'aurais besoin de votre aide. Oui, oui, il y a trop de missions à faire. Mais moi, j'ai une autre mission à faire. Disparu au combat. Voilà, on va faire cette mission-là. Eh oui, parce que madame veut faire un truc de tour radio. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il veut. J'ai pas le temps, moi je... Vous allez nous aider à reprendre la montagne. Oui, 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 je trouve que vous me sollicitez de ouf là. Je suis sollicité de ouf. Bon, comment je sors moi, bordel? Il y avait pas une échelle là? Mais attendez, je suis pas débile. Il y avait une échelle, non? Ah là. Ok. Allez, on va rejoindre le centre touristique, non pas pour faire du tourisme, mais bel et bien pour libérer les Whitetails. T'es entre de bonnes mains. Il pourra te filer tout ce qu'il te faut pour survivre dans la montagne. Mais je continue à garder un œil sur toi, t'en fais pas. A bientôt, officier. Ok, ça c'est les belles paroles du premier gars qui nous a secouru. Ah, retour de notre copain. Ok, Boomer.
Et ça c'est bon. Allez, let's go. Je kiffe quand même ce qui se passe. Le jeu, je trouve qu'il est quand même relativement bien amené. Oh, Promims. Le jeu est quand même relativement bien amené. Et ça, ça fait plaisir. Beaucoup de dialogue, malheureusement, quand même. Malheureusement, heureusement, je sais pas, ça dépend un petit peu de votre sensibilité, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup. Mais du coup, c'est bien amené. Franchement, c'est bien amené. Je peux vous voir. Toute la montagne est truffée de caméras. Le centre est droit devant et grouille de cinglés. Faites attention. D'accord, donc là, Ellie qui m'envoie, il me voit avec des caméras. Putain, c'est excellent ça. Elles sont où les caméras? Enfin, regardez, il y en a une là. Ah non. Si vous repère, ils tueront nos gars. Alors vous faites pas voir. Il y a un conduit d'évacuation près de vous. Vous avez qu'à passer par là pour les surprendre. Un conduit d'aération. Ça doit être ça. Tu vois, j'ai pas besoin de sortir mes jumelles avec Boomer. Et ça, c'est bon, ça. Ok, là, le conduit. Bah écoutez, on va passer par là, hein, directement. Hein. Moi, je vais écouter ses ordres. Hein. Surtout pas le bruit. Oui. C'est ça, ton conduit, là? Attendez, par contre, je vais juste enlever le point sur la map, parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on voulait aller voir Urk. Mais manifestement, bah, voilà, on peut pas aller voir Urk. Alors... Ah ouais, non mais c'est parce que je suis déjà allé du mauvais côté. Ouais, bon d'accord. Donc ce conduit, ça me servait à rien. Allez. J'ai cru que je m'étais déjà fait cramer. Ok. Ah ouais. Ah, y'a du people quand même, hein. Est-ce que je les attaque ou pas du coup? Vas-y, attaque. De toute façon, faut essayer. Ok. Chut. Arrête de faire du bruit. Otage de la milice sauvé. Bon, faut que je libère les 4 otages, ok. J'ai quand même pas le choix de les fumer. Là, il y en a un d'otage. C'est déjà pas mal. Là, il y a une tyrolienne. Là, il y a une tyrolienne. Et ça, c'est bon, ça. Avec une tyrolienne, on peut faire beaucoup de choses. Attendez. Attendez. On va pas prendre de risque. Voilà. On va pas prendre de risque, on va faire ça bien. Chut. Il est vraiment bien, Boomer. Hein. Franchement. Hein. Alors bon, là, il y a un petit peu débile. Vraiment bien. Allez, viens là. Chut. Voilà. Attendez, on va passer par derrière. Voilà. Évidemment, ils ont changé de plan eux aussi. Ok. J'aime ce qui se passe. Rappelle ton chien! Ok. Je t'en prie, ils vont me tuer. J'aime pire que ça. Jamais je pourrais assez te remercier. Et 2-1. Ils retiennent The White Tail, le tunnel Okai. Ça veut dire qu'ils vont les balancer. Quelque chose. Et 2-2. Ok. Sauver nos gars. Désolé si je parle pas trop. En plus, le jour se lève, c'est magnifique. Ok, j'ai la moitié des otages sauvés. Ok. Bientôt vous allez voir pourquoi tout ça a été nécessaire. Saloperie! Oh mon dieu! Magnifique. Merci. 2-3. On était plus nombreux que ça. C'était quoi ça? C'était moi. Hop, ça dégage. Le dernier dehors, merci pour l'info, il est où dehors? Je sais pas où il est moi. Bon, j'ai super bien géré par contre. Faut juste trouver l'otage. Il a foutu des caméras partout. Il peut tout voir depuis son centre de commandement. Attends, je vais juste récupérer tout ce que je peux récupérer. J'ai pas le réflexe de tout fouiller. Ok. Truite, incroyable. Ok, plein de trucs à récupérer. Oh, c'est beau. Bah, c'est un centre touristique quoi. Il est où le mec, le dernier là? C'est excellent. J'ai entendu dire que quelqu'un se passe des choses près des chutes d'Oziguan.
Les cinglés ont poussé une voiture en bas de la falaise. Je sais pas si elle est survivante. Mais ils cherchaient quelque chose. On devrait aller voir. Lundi, deux traîneaux pour l'hôtel Traillard. Par contre, il me manque un otage. Il me manque un otage. Je sais pas où il est. Il va bien, mais je sais pas où il est. Il est dehors. Il est dehors, il est dehors, il est dehors, on m'a dit. Il peut m'aider, le mec, avec sa caméra, là? Attends, s'il y avait un garde vers là... Oh, je suis débile. Je suis complètement con. Bah oui. Sauve-moi, je t'en remercie. Voilà. Et ça, c'est fait. Le Devil's Drop. Faut que t'ailles au Devil's... Les prisonniers qui résistent finissent en cible vivante pour l'entraînement au tir. C'est... Ah, la pété. Putain, ils ont emmené deux des nôtres au Devil's Drop. Jacob est sur le sentier de la guerre. Il cherche le Wolf's Den. Si les cinglés nous trouvent, on est foutus. Et si nos gars crachent pas notre position, ils seront balancés du haut de la falaise. Maniez-vous, officier. Le Devil's Drop est au sud de votre position. Rejoignez le tunnel. Allez, on y va. Hein? Renvoyer un combattant pour en engager un autre. Ah oui, non, deux. Très très bien. Par contre, tu me remercies pas là, le monsieur à la radio là? Parce que j'ai libéré tes copains là. Je veux dire, j'ai bien géré quoi. J'ai bien géré. Bon, allez, on y va. On va aller à ce tunnel. Ça se passe plutôt pas mal. Je pense que je vous propose un joli petit spectacle. Et c'est assez frustrant parce que je trouve que je joue quand même relativement bien. Et en même temps, je meurs comme un débile hors mission. C'est fou ça quand même. C'est adorable. C'est adorable. Hop. Alors par contre ça c'est super stylé ça. Est-ce que vous pensez que le pont va lâcher? Je pense pas. Mais je trouve ça super chouette. Oh. Non c'est pas bien. C'est pas bien. Lui il a pas souffert mais l'autre là je lui ai mis Attends bouge pas. Putain. Bon là il va mourir malheureusement là. Mais il est en train de souffrir le pauvre. Mais il faut abréger ses souffrances aussi. Voilà c'est bon. Je suis désolé hein. Ah bah en plus je peux même pas le piller. Ah bah d'accord. Faites gaffe, il y a un barrage routier un peu plus loin. T'inquiète moi les barrages routiers je les T'inquiète. Vraiment t'en fais pas pour moi. C'est le dernier de mes problèmes. Faites gaffe, il y a un barrage routier un peu plus loin. Tu me l'as pas déjà dit? Juste pour être sûr, alors attends, incroyable, est-ce que je peux récupérer? Non, ça va me remplacer. On dirait qu'il contrôle tout le tunnel. Si vous êtes dingue, passez par devant. Sinon, passez par le haut. Moi j'aime bien passer par derrière. Je vais passer par le haut. Sauver les White Tails. Donc il y a deux otages là cette fois-ci. Attendez, il y a un truc à checker ici. C'est vraiment bien fait. C'est quoi? Oh, parachute, wingsuit. Incroyable. Ok, bon, donc là il a dit je peux pas passer par là, il faut que je passe par le haut. Ok, donc le chemin. Pas de problème. Pas de problème. On va passer par le haut. Ce que j'aime bien c'est que ils s'en foutent du chien quoi. Et ça c'est bord, c'est beau. Ok, regardez, oh là là. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu aussi quand même. Oh mais il faut le dire. Il faut le dire. Ok. L'idée c'est de spotter un maximum les gens. Est-ce que je peux passer par là peut-être? Je sais pas, il y a peut-être un... Oh purée. Oh, 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 je les avais pas vus. Bon, déjà j'ai un otage là. Ah, mais ils sont là les deux otages. C'est bon, je les ai. J'ai les deux otages en vue. Bon, ils se font matraquer la gueule, donc je vais essayer de me dépêcher. Mais je préfère largement qu'ils se fassent matraquer la gueule, qu'ils souffrent, mais que je les sauve. Plutôt que me précipiter pour les sauver, alors qu'au final je vais les fumer quoi. Donc là, soit je fais un enchaînement magnifique. Otage restant, 1 sur 2. Je sais pas où est Ellie. Non, c'est une blague. Je déconne pas. Ellie nous a pas dit où il est. Fais chier, mec.
C'est abusé. Là, je donnerais n'importe quoi pour recommencer la mission. Hein. Si j'avais su, je me serais précipité. Hein. Ils ont fumé un otage, putain. Oh. Allez, dans ta gueule, toi. Oh, putain, je t'avais pas vu, toi. Arrête. Libéré. Incroyable. Putain, j'ai trop le seum. What? Ah! Pas bon ça. Aïe! Ah ouais, mais ça part en couille! Oh non. Mais meurs, putain! Oh, c'est quoi ce jeu? Non, mais c'est complètement dingue! C'est complètement dingue. Mais comment je suis censé faire? J'ai pas de lance-roquette, au secours. Avec le contre-jour, je vois rien en plus. Oh, c'est bon ça. Ok, c'est bon. Bah, j'ai sauvé aucun otage, hein. Voilà, bonsoir. Paru au combat, ouais, mais je les ai pas eu. C'est comme ça chez les White Tails. Le fait que vous nous ayez aidé à sauver les nôtres va remonter le moral des troupes. Peut-être même que ça incitera des gens à nous rejoindre. Je savais que Tammy se plantait à votre sujet. Félicitations, vous êtes des nôtres. Si vous avez le temps, j'ai une autre mission. Venez me voir où vous aime quand vous pourrez. Mais attends, il a cru que j'avais sauvé tout le monde là. Il a cru que j'avais sauvé tout le monde alors que. Jacob, je le sais. Les cinglés ont l'air bien énervés à la radio. Ils réclament des convois d'hélico pour patrouiller dans les White Tails. Restez bien sur vos gardes et surveillez le ciel. Bah ok, bah écoutez, s'ils considèrent que j'ai réussi la mission, franchement j'ai envie de te dire tant mieux. Ok, bah écoutez. Pour moi ça s'est pas passé bien, mais pour lui ça s'est passé bien, donc j'ai envie de dire c'est l'essentiel. Bah écoutez les amis, c'est sur cette très très jolie vue sur le lac Léman que nous allons nous arrêter là pour ce troisième épisode de Presque une heure, bien rempli en action, bien rempli également en mission. J'espère que vous avez kiffé le contenu, si c'est le cas les gars, je compte sur vous. Maximum de likes, hâte de vous lire également. Commentaire, j'entends un hélicoptère là, hein. Ah ouais. Et je peux détruire les hélicoptères, j'avais vu avant. C'est aussi comme détruire les convois, très bien. Allez, plein de bisous les amis, et à demain 19h pour la suite de l'aventure. Belle fin de semaine. C'était Mkolo, ciao tout le monde.